cette semaine pour bien terminer 2023 et commencer 2024 avec le plein d'énergie. Je vous ai concocté un top 5 des bonnes nouvelles pour les animaux et en bonus, à la fin de la vidéo, un clip que vous allez très probablement adorer. Mais on commence tout de suite avec le top. En cinquième place, le rêve de tout refuge s'est réalisé en Pennsylvanie, aux États-Unis. Pour la première fois depuis 47 ans, le refuge est vide. Tous les animaux de la SPCA, située à Gettysbury, ont été adoptés. Pourtant, les chenils étaient presque pleins il y a 2 semaines en arrière. Pour l'occasion, la structure a même proposé à d'autres refuges d'accueillir des animaux pour les soulager de leur surcharge. En 2023, dans ce refuge, 600 animaux ont été adoptés et 125 animaux errants ont pu retrouver leur foyer. En quatrième place, c'est une victoire juridique à marquer d'une pierre blanche. Le lobby de la filière viande bovine avait porté plainte contre le groupe Nutrition et Santé pour pratiques commerciales trompeuses. Le groupe Nutrition et Santé est propriétaire notamment des marques Céréales Bio et Soy. Le lobby de la viande voulait empêcher ces marques d'utiliser la mention « steak végétal ». Mais la Cour de cassation a débouté Interbev et confirmé la décision de la Cour d'appel de Rennes. La mention « steak végétal » va pouvoir continuer à être inscrite sur les emballages sans confusion possible pour les consommateurs. On va continuer avec la 3e place du podium. Mais avant cela, je voulais vraiment vous remercier pour tous les commentaires et l'accueil super positif que vous faites à ce nouveau format de vidéo chaque semaine. C'est déjà la 10e édition et les 2 dernières vidéos ont dépassé les 30 000 vues. Alors merci de continuer à nous soutenir avec un petit pouce bleu et un commentaire. En 3e position, et ce n'est pas fréquent pour les animaux, une bonne nouvelle venant de Chine. En Chine, comme ailleurs, l'industrialisation et l'urbanisation à grande échelle ont conduit au défrichement de nombreuses forêts et à la pollution des zones humides, détruisant les habitats de nombreux animaux. Pour la première fois, l'administration chinoise des forêts et des prairies a identifié une liste de près de 800 habitats clés pour les animaux sauvages, une étape importante dans le renforcement de la protection des animaux en Chine. Tadam ! En 2e position, c'est énorme, le Chili et le Canada viennent d'adopter des lois assez similaires concernant les animaux d'expérimentation. Au Chili, après des années de campagne, le projet de loi qui vise à interdire les tests sur les animaux pour les cosmétiques, ainsi que l'importation dans le pays des produits et ingrédients testé sur les animaux a été voté le 20 décembre au Sénat et approuvé à l'unanimité avec 27 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Et puis au Canada, l'interdiction des tests et du commerce des produits cosmétiques testés sur les animaux, c'est maintenant une réalité. L'interdiction est entrée en vigueur le 22 décembre dernier. Ce sont ainsi des centaines de milliers d'animaux qui vont être épargnés de la torture des tests. En première position, c'est littéralement la vie de millions d'animaux qui est en jeu. En janvier 2024, pour la 10e année consécutive, c'est le début du Veganuary, c'est-à-dire l'initiative qui accompagne ceux et celles qui le souhaitent à découvrir et à encourager l'alimentation végétale durant tout le mois de janvier. Vous avez des moutons derrière moi, ils sont aussi contents. Depuis sa création en 2014, Veganuary a inspiré et aidé des millions de personnes dans le monde à tester l'alimentation végétale. En France, cette année, avec L214, nous avons décroché la participation de 165 entreprises comme Auchan, Carrefour, Monoprix, Franprix et même des chaînes comme Paul, Starbucks ou encore Uber Eats, Deliveroo, etc. En vous inscrivant au défi du Veganuary pendant 31 jours, vous recevrez quotidiennement de délicieuses recettes, des astuces culinaires, des idées de menus faciles à réaliser, des conseils nutritionnels. C'est totalement gratuit et pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur le site de L214. Je vous mets aussi le lien dans la description. Je vous avais promis une belle surprise pour terminer cette vidéo. Alors ce ne sont pas les moutons, mais vous connaissez sûrement Willy Wonka. En ce moment, le film Wonka est diffusé au cinéma. Aux États-Unis, dans 1800 cinémas, le clip est projeté systématiquement au début des projections. Un clip qui va vous étonner et dont nous avons obtenu l'autorisation de diffusion. Il a été produit par Eat Differently. Le voici rien que pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un commentaire pour réagir aux actus et nous encourager. Bye! There are artists who think differently.
who realize that thinking beyond the box often means dismantling the cage. Who know that embracing creative freedom means nothing without granting freedom for all. Who understand that the greatest form of human expression isn't found in the spotlight or in grandiosity, but in the simple act of compassion. There are those that think and eat differently.